Commandant! Commandant, c'est la merde, on a besoin de vous. Il y a le prof qui m'a envoyé vous chercher. Serge, arrête de draguer, aide-moi plutôt à bloquer les fuites d'oxygène dans le cockpit. Mais non, non, Serge, je t'ai demandé de me ramener le commandant. On avait demandé à vous voir parce qu'en fait, il y a une petite urgence. Commandant, vous allez bien? Commandant, vous avez pas l'air au top là, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ces fringues pourries là? C'est pas le commandant. Hein? Espèce d'enfoiré, tu vas nous dire où est le commandant? Oui, alors je comprends que ce soit compliqué d'en causer là tout de suite, mais pour revenir à la petite urgence, on a un problème de fuite d'oxygène, bordel. T'imagines même pas comment je vais te péter la gueule. Et moi, t'imagines même pas comment je vais te buter ta mère, le chacal. Oui, donc alors concernant cette fuite, comment vous dire? Si on s'en occupe pas maintenant, tout de suite, eh bien, on va tous mourir en fait. C'est ton boulot, ça, prof. Là, je suis en train de m'occuper l'autre enflure. Oui, bah justement, j'avais envisagé deux solutions et je comptais m'entretenir à ce sujet avec le commandant. Ouais, bah le commandant, il est pas dispo là, alors démerde-toi. Bon, alors soit on condamne la soute, hein, ce qui est plutôt chiant, je vous le concède. Soit on condamne le pont arrière, ce qui a l'avantage de nous débarrasser du fumier. En revanche, ça nous prive de certaines commodités, hein. Bah oui, il y a la WC, la cuisine, la table basse, la lampe de chevet. Serge, fous-moi ça en tôle avec l'eau de fumier. On va faire ça, ouais. Comment ça en tôle? Ta gueule. Ouais, ok, donc tout le monde s'en fout de ce que je dis, quoi. Bon, bah, c'est pas grave, je vais condamner la soute, hein, vu que vous vous dirigez tous vers le pont arrière. Même si des fois, je me demande si je devrais pas plutôt faire l'inverse et vous exterminer tous, bande d'enfoirés. Parce que moi, je m'en tirerais bien mieux sans vous. Hein? Au cas où t'aurais pas compris, machin, c'est pas le moment de l'ouvrir. À moins que t'aies vraiment envie de te faire exploser la face. Toi, le fumier, tu restes tranquille, c'est pas le moment. J'ai rien dit, moi. Ouais, bah continue. Les gars, les ballons de Rainbow, c'est quoi? J'arriverai jamais à condamner la soute, attends tout seul. Ok, go, Serge. J'en ai pas fini avec toi. Je me rappelle qu'on va tous crever, hein. Ouais, bon, bah ça va. Alors, monsieur le commandant, on se prend une petite mutinerie dans la tronche? Ça fout les boules, hein? Non mais, vous me faites tout chier ici! Je suis pas le commandant, moi, je débarque! Je comprends rien à tout ce bordel, on est où, là? Pourquoi y'a que des cinglés, ici? C'est pas vous? Toi? Enfin, moi, je sais plus ce que je dois dire, maintenant. Bon, on va dire toi. Ouais, c'est vrai que tu le ressembles pas mal, quand même, hein? Comment ça? Sauf que t'es moins... Quoi? Je suis moins quoi? Classe! Ouais, t'es carrément moins classe! Oh putain, j'en peux plus, mais qu'est-ce que je fous là, bordel? J'étais tranquille chez moi sur mon PC! Tu vois, le commandant, il est plutôt... badass! Et toi, bah regarde-toi! T'es... rien, tu ressembles à rien! Je vais finir par t'en mettre une! Et puis lui, tu vois, il a un bandeau sur l'œil. Ouais, ça, ça lui donne du style, ouais. Bon, tu veux pas me dire ce qui se passe là, au lieu de raconter des conneries? Tout ce que tu dois savoir, machin... Non, je m'appelle pas machin, putain! Oui, peu importe, on s'en fout. Tout ce que tu dois savoir, machin, c'est que ce vaisseau-là vient d'être attaqué par la terrible armada Ellipsis, mon peuple. Donc, une fois qu'on vous aura rattrapé, on va vous pulvériser la gueule. Hmm? Et toi aussi, d'ailleurs. Même si on s'est pas vraiment quitté. D'ailleurs, on s'en fout. Mais... toi aussi, t'es à bord. Donc, toi aussi, tu vas te faire exploser? Non. Parce que moi, je suis un personnage de haut rang. Donc, et d'abord, ils vont venir me sauver, et après, ils vont vous péter la gueule. Ouais. Bon, la soute est condamnée, au moins on va pas crever dans les 5 minutes. C'est déjà ça. Mais on a quand même un gros problème, là. Putain, c'est la merde, on est mort là! Non, déjà, moi je propose qu'on commence par se débarrasser de ces deux-là. Non, on se calme, hein. Il doit y avoir une explication à tout ça. On va d'abord les interroger et... On a perdu le commandant, bordel, c'est la putain de grosse merde! C'est clair! Et quand ma flotte va vous rattraper, vous allez prendre cher! Quoi, tu fermes ta gueule! Pour comprendre ce qui s'est passé, on doit d'abord les interroger! Mais on les bute, on s'en fout! Que vous voudriez bien vous calmer deux secondes, bordel! Bon. D'abord, moi j'ai rien contre vous, même si visiblement vous avez tous décidé de me faire chier. Je sais strictement pas où je suis, ni qui vous êtes. Votre commandant machin là, c'est sûrement quelqu'un de très bien, mais je le connais pas du tout, et je sais pas où il est non plus. Donc ce qui serait cool, c'est que vous commenciez par me libérer, parce que votre pote le fumier là, il est encore plus chelou que vous. Et puis je sais pas moi, après on en discute à tête reposée, non? On les bute, je vois que ça. Cara. Carlo. C'est absurde ce que tu dis. Sinon, vous avez qu'à buter lui, hein? Et moi, bah, vous me butez pas.
Vous en pensez quoi? Putain! Merde! C'est quoi ça là? Alors c'est l'alarme du radar, on a de la visite! Merde! Il y a trois chasseurs en approche. Non mais comment ils ont fait pour nous retrouver si vite? On a fait un bond de plusieurs années-lumière. Normalement, enfin, je crois. Bon, Serge, on envoie nos chasseurs, ça va être vite réglé. Ouais, enfin non, on n'a plus accès aux chasseurs, la soute, elle est condamnée, hein. C'est pas grave, je vais les défoncer. Ouais, comment tu vas faire? Tu comptes ouvrir la fenêtre et tirer par le hublot? Non, je vais prendre la tourelle. Elle est plus puissante. Je vais éviter leur tir, il y en a plein d'autres qui risquent d'arriver là. Carlo, prépare un nouveau bon PRL. PRL? Plus rapide que la lumière. Ah ouais, c'est ça. Bouge-toi le cul! Ça va, j'en ai pour 2 minutes. 2 minutes, mais si gros que ça ton cul. Mais non, mais j'y peux rien, il y a un délai entre chaque bon, je peux pas tout maîtriser non plus. Ça n'a rien à voir avec mon cul. Ramenez vos culs, mon fils de pute! Si vous avez touché un seul cheveu du commandant, ça va chier! Mais qu'est-ce que je raconte, moi? Dans tous les cas, je vais les défoncer. Ouais, non, autant pour moi! Vous faites pas de faux espoirs, dans tous les cas! Je vais vous fumer la gueule! T'attends quoi pour les niquer là? Ok, poulet, pas bien. Je vais te rester. Ouais, bah pas trop quand même, parce qu'on commence à en prendre plein notre cul là. Bon, il vient ce bon PRL, putain. Carlo? Hein? Quoi? Non. Il vient ce bon. Attends, je pense à un truc là, justement. Non, mais tu te fous de ma gueule, t'as rien foutu depuis tout à l'heure, le bon! Justement, c'est au moment exact où j'ai fait le premier bon que le commandant a disparu. Je crois que c'est le moment là. Non, mais si ça se trouve, c'est à cause du bon que le commandant a disparu. Ouais. Donc si je refais un nouveau bon, et le commandant il reviendrait. Ah. Et en plus, on serait débarrassé de notre meuf. Non, j'ai rien compris là. Que vous avez dû enclencher un haut-parleur ou un truc comme ça, j'ai tout entendu. C'est pas sympa. Bon, Carlo. Ouais, Carafe. Le bon. Oh, j'ai d'hurler, je suis à côté de toi, là. Sors-toi les doigts du cul. Oui, c'est imagé, mais j'y vais, oui. Ça y est, Kara! Putain, on va faire le bon! Eh ben, c'est pas dommage. Carlo, attends, merde! Il n'en reste plus qu'un, bordel! Oh putain, j'y croyais pas du tout! Quoi? Hein? Oui. Et voilà le travail. Dis-moi, comment ça t'as cru que t'y arriverais jamais, espèce de gros bâtard? Ah, non. Non, t'inquiète, je t'ai connu tout à l'heure, c'était... T'inquiète. Non, en plus, je suis sûr qu'on a récupéré le commandant. Gunn-Serge, va voir dans la cellule. Serge? Quel est cet endroit? Je ne reconnais rien. Ce n'est pas Sparte! Pour info, je suis encore là. C'est pas que ça m'arrange, mais bon, je vous tiens juste informé. Eh ben bravo. Quiconque veut en découdre avec mon bouclier et ma lance, à dans 7 lunes, pour un épisode épique et plein de bravoure.